premier jour à Hong Kong, on a sorti la veste. Google disait 18 degrés, mais là ça va, il fait soleil. On va essayer de monter au Victoria Peak aujourd'hui. Donc, il y a une belle vue. Il y a une belle vue. Il y a du monde, hein. Ça grouille de partout. Alors voilà, dans une petite cantine, que des Chinois. On s'assoit avec des gens, tranquille, on mange. Pauvre repas fini, on retourne dans le métro. On va prendre le métro pour aller jusqu'à la station centrale et de là on va prendre le cable car pour monter voir un peu la vue du Victoria Peak. Alors moi j'ai mis mon passe dans mon téléphone et regardez. Et voilà, ça m'a pris 9$, à peu près 1€. Hop là, maintenant faut trouver où c'est qu'on va sortir. Alors les buildings. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Bon, maintenant faut trouver où on va. Park. Donc on va traverser le parc pour aller au cable tram. C'est une espèce de tramway qui monte tout en haut du pic pour avoir la belle vue. On va essayer de rester jusqu'au coucher de soleil pour faire quelques belles photos. Ah, le parc est pas mal. C'est en plein milieu des immeubles. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez là. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Un peu de verdure au milieu des immeubles. C'est impressionnant. Franchement, Hong Kong, je dis à chaque fois que je visite une ville, mais là, j'ai vraiment un coup de cœur. C'est magnifique. Vraiment du monde dans le parc. Là il fait soleil, là il fait beau.
Ah, ça fait du bien. Par contre, dès qu'il n'y a plus le soleil, il gèle. Oh là là. On doit être à 15 degrés, 16 degrés, mais là avec le soleil, vraiment, il fait bon. Je me suis pris un petit coup de froid sûrement, parce que quand il y a le vent là. Donc là, on va essayer de monter tout en haut. Hop là. Ah, vraiment, il y a du monde. C'est super beau. Allez, on va se trouver ce cable car là et on va se monter en haut. Bon, apparemment, on a trouvé la station. Allez, on y va. Je pense qu'il y a au moins 2 heures de queue minimum pour y aller. C'est horrible. Franchement, je suis plus très chaud du coup. 2 hours later. And on the tram. Thank you for your cooperation. 歡迎乘搭香港最古老的交通工具山頂纜車，係1888年開始投入服務。呢段大約10分鐘的旅程將會帶我們由中環直達海拔480米高的山頂，沿途景色將會令你歎為觀止。山頂纜車沿途有4個中途站，其中堅尼地道、麥當勞道同埋湖道。 C'est magnifique. Hein? Encore on est à la boue. Hein?
Voilà, c'était magnifique. Superbe vue sur Hong Kong. Bon, on a attendu beaucoup de temps. La queue pour le cable car, c'était énorme. Et en haut, il y a un vent de fou. Mais pas... En fait, c'est à l'abri, mais dès que tu passes le balcon, il y a un vent de malade. Bien sûr, le point of view, c'est dans un espèce de mall. Il y a 25 000 boutiques, c'est un truc de fou. Donc voilà, là on va redescendre tranquillement. Soleil, on doit être à moins 10 degrés là, je me gèle les couilles. Je suis à deux doigts d'acheter une doudoune pour redescendre, mais je crois que je vais courir vite au bus. Et parce que le cable car, il y a une heure de queue et la queue elle est dehors. Donc là vraiment on se gèle les burnes, c'est un truc de fou. Ah bon allez, on descend. Putain les gars, on se gèle. Putain, allez vite le bus. Oh, il fait moins de 10. Se croirait à Paris, comme. On arrive au bus les gars. On se gèle les couilles. Oh putain. Oh. Ok, on a trouvé le bus. Ouh. C'est par là. By Central or Go Central? Yes. Go at the port. Thank you. Welcome. Ouh. C'est bon, on est dans le bus. Ce qui est bon, c'est qu'il nous pose de suite dans une station de métro. Donc on va pas rester dehors. Il faut vite rentrer à l'hôtel, prendre la veste. Là en ville il fait meilleur quand même, il fait beaucoup meilleur. On est comme dans une boîte de sang. Là on n'est pas encore comme au Japon, il n'y a pas les gens qui poussent pour bourrer le métro, mais on n'est pas loin. Allez, on a juste une station à faire, on traverse juste la mer et on arrive à Tsimshatsui et on est à la maison. Franchement, l'hôtel est bien placé, le métro il est juste à la sortie de l'hôtel, devant l'hôtel. Et à partir de là, on peut aller vraiment n'importe où. C'est vraiment super bien desservi. C'est vraiment super.